Bonjour, chers visiteurs. Jeudi, un programme nous c'est Focus sur la famille. Une émission qui est présentée une fois par mois sous vue prophétique de la Bible. Et titre présentation nous jeudi, c'est Caractère et bonheur. Nous allons commencer immédiatement après l'introduction du programme. Ensuite, nous prions pour que le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, vienne aider nous comprendre le message lié pour nous sous famille jeudi. S'il vous plaît, restez à l'écoute. Attirez-nous chaque jour vers Dieu Créateur, nous Seigneur et Sauveur. Nous prions un matin pour que vous remplissiez-nous de présence, non seulement pour tant nous prenons passer dans la parole, mais pour tout le temps, jusqu'à ce que vous veniez chercher nous dans le monde ça, pour nous passer l'éternité avec vous. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Encore une fois, petite présentation aujourd'hui, hein, c'est caractère et bonheur. Dans le sujet ça, on apprend à jeter un coup d'œil sur le mot caractère, nous souvent utilisé pour définir un individu. C'est un mot qui gagne en pile valeur dans la série présentation ça, on a fait sur famille et qui m'a donné vraiment un petit temps pour nous apprendre ça lui signifie et comment il est capable d'affecter ou influencer en vie. Ça fait plus de 25 ans de ça, après, moi, j'étais déplacé, quitté New York pour venir habiter Caroline du Sud. J'étais choisi comme ancien dans l'église adventiste américaine, côté jusqu'à maintenant, m'a marché. Cependant, quand j'étais dans la position ça, j'étais créé un pile problème par un groupe de familles qui était très préjugé. Il y a un complet majeur qui était présenté par la famille ça, c'est accent, moi, quand m'a parlé anglais. Et gagné qui pas du tout, ouais, comme yon noir haïtien, yon étranger, moi, doué occuper yon position pareille dans l'église là. C'était yon famille, témoin dit nous, qui te gagné en pile influence dans l'église là, et qui remplit avec fanatique. Et formation, yon poté ban moi tout le temps de membres qui remènent. Et ça qui paraît même, t'es formé une sorte de réseau tripotage de deux groupes saillot. Quoique l'église là, t'es 98% blanc et 2% noir et avec quelques autres nationalités. Témoin, dis-nous, le Seigneur, moi, quoi, t'es gagné, une mission pour moi là-dedans. Parce que moi, t'es prié avant de quitter New York pour Dieu t'es guidé. N'ayant une famille chrétienne, côté moins capable de continuer à apprendre et enseigner par lui. Pendant l'année, ça, moi, j'étais fait ancien, moi, j'étais pris une position neutre, côté moins éviter porter aucun jugement et commentaire de ça, moi, j'étais de mal ou de bien de moins. La prière, moi, j'ai dit le Seigneur pour lui donner moins sagesse. Et intelligence pour me capable de dire avec problème, je ne pas attendre du tout rencontrer dans l'église bon Dieu. Quand l'année était terminée, j'ai été choisi comme ancien une deuxième fois.
Moi, pas t'accepter position ça, juste pour calmer tension qui te gagne dans l'église là. C'est comme ça, un peu mon a demandé pour qui raison que frère Ivan refusait ancien pour année. 3 ou 4 semaines après, moi t'ai refusé position ça. Maggie, madame, moi t'ai fait un gros stroke qui jusqu'à maintenant, qui était là avec main et bon côté droit lui. Un peu paralysé. Tu me dis, nous, c'est même semaine, ça, tout, moi, t'es programmé pour me porter musique spéciale dans une adoration, jour béni l'éternel, là, avant pasteur l'a prêché. Jour sabbat matin, ça, moi, t'es loué non l'éternel. Et moi, t'es metté ma guise dans mes par un coup de témoignage. Et puis après ça, moi, t'es joué musique classique ça avec guitare qui titrait jour après jour gardé par ton amour. Après moi fini jouer, trois quarts l'église là t'a crié, je t'ai gagné de l'eau dans les yeux et admiration de ça au découvrir le caractère juste ça t'es touché cœur yo par la puissance du Saint-Esprit. C'était un temps quoique difficile et tragique pour moi. Qui t'a porté membre de l'église là, agir et penser différemment de moi. Toute l'église là tape prier pour restauration, madame moi. Dieu, depuis les saints t'es fixé sur famille là. Une observation, yo, façon yo ouais, j'aimerais répondre et agir avec crise. Non, famille moi, t'es complètement changé cœur. Famille ça qui t'a créé problème dans l'église là. 3 mois après événement ça, moi recevoir un coup de fil téléphone de pasteur qui dit comité l'église là voulait moi servir dans ancienna. Il a réellement besoin d'aide moi. C'est comme ça moi t'ai accepté position une deuxième fois. Quand il a présenté nomination devant l'église là, toute Mambio t'es voté pour moi. Ministère, depuis les saintes, prends pied, n'amitant peuple, bon Dieu. Personne pas jamais questionné, jamais parlé, prié le Seigneur, et moi pas jamais tendé non plus aucune complainte, quelle que soit l'autre position, moi t'es occupé dans l'église là. Pendant tant ministère, comme ancien, moi enseigné classe jeune pendant 3 ans, moi, enseigner volontairement dans l'école, l'église l'a gagné, langue française, commencer dans la classe maternelle jusqu'à classe moins 2. Moi, organiser concerts, travail missionnaire, et actuellement, dis-nous que l'église ça a tourné en l'église internationale qui gagne près de 250 membres et qui est composée de toute nation, peuple de toute langue. Le Seigneur agit miraculeusement dans l'église ça, qui continue à attirer un pile visiteurs par sa yo ouais, sa yo tende dans radio qui a proclamé bonne nouvelle de l'évangile de l'éternel de Christ. Maintenant, raison qui fait moi raconter nous histoire ça, c'est pour moi attirer attention nous comment caractère chaque individu jouait un rôle majeur dans la société qu'il y a vivre et dans le foyer. Caractère donc quand gagné en pile importance. Notez ces circonstances malheureuses qui te permettent tout Dieu l'Église la fixer sur moi, tourner une opportunité pour être capable de quitter de monde moyen. Et ça a été ouais de moi, la façon de répondre et comporter comme un chrétien et un mari pendant la crise dans la famille moi. Porter un impact qui restait jusqu'à maintenant comme un gros témoignage dans le cœur un pile membre l'église. Maintenant, on nous cherche à connaître ce mot caractère, vous l'avez dit. Livre Wikipédia Encyclopédie Libre, laissez pour nous information ça yo écrit sous mot caractère. Il dit, le caractère d'une personne résume la manière dont cette personne réagit habituellement dans une situation donnée. On dit alors qu'elle possède tel ou tel trait de caractère.
Par exemple, on dit d'une personne qui aime faire plaisir aux autres qu'elle est généreuse, altruiste, quelqu'un qui tient rigueur aux autres pendant longtemps de leur griffe à son encontre sera qualifié de rancunier. L'étude du caractère et la caractérologie. Ce domaine est tombé en désuétude dans la recherche expérimentale où on s'appuie aujourd'hui plutôt sur le concept de personnalité. Personnalité, donc, c'est synonyme de caractère. Une définition personnalité très ressemblée avec définition caractère. Notez que ça, même encyclopédie, ça a tout dit de personnalité pour que nous capables ressemblance entre deux mots saillants. De personnalité, il dit. La notion délicate de personnalité est parfois mise en rapport avec celle de caractère. Ce dernier désigne habituellement les façons d'agir et les attitudes qui sont propres à un individu et qui permettent de le distinguer des autres. Cette distinction est particulièrement utilisée par la caractérologie. Longtemps synonyme de personnalité, le terme de caractère n'est plus guère utilisé en psychologie et par les auteurs car il est associé à des connotations morales et fait référence à un jugement de valeur souvent négatif. Personnalité, dit-nous, en général, référée à la façon dont moun agit, référée à attitudes qui spécifiques qui permettent de distinguer avec l'autre monde. Personnalité ou caractère de chaque individu tellement important que actuellement en pile compagnie reconnaître ces traits, ils ont accepté pour qualifier un employé dans certaines positions pour travail. Raison, je dis, c'est que un employé et un employeur doivent gagner une sorte de relation ou confiance qui existait entre eux. Pour que la relation soit capable de satisfaire mutuellement, compagnie et employeur doivent posséder certains traits de caractère. Monsieur Michael Blumenthal de l'UNICIS parlait de erreurs qu'il commet lorsque l'a employé un individu. Il dit lorsque vous employez un monde pour position qui haute, vous devez essayer d'assurer qu'il y a un sens pour reconnaître ça qui est bon et ça qui est mauvais. Il doit gagner un désir pour lui dire toujours la vérité. Et courage pour lui penser et faire toujours ça qui est bien, même quand politicien levé contre lui. Reconnaître personnalité et employé est extrêmement nécessaire parce que ça gagne pour être avec si lui honnête et courageux. Ou encore si lui c'est bon monde. Maintenant, notez même le caractère nécessaire pour employer un individu, lui aussi nécessaire dans toute l'autre relation. Il est nécessaire pour deux mondes qui sont fiancés, deux mondes qui sont mariés et deux mondes qui sont bons amis. Pas gagner un lien qui est capable de remplacer un bon caractère. Gagner un philosophe anglais, Herbert Spencer, qui dit Pis grand besoin de l'homme, et puis, grande sécurité, ce n'est pas du tout éducation, mais c'est plutôt caractère. Nous comprenons ici, il veut dire caractère très important. Alors, lorsque nous avons étudié le livre Ruth, nous sommes capables de voir comment le beau caractère paraît dans l'histoire, ça qui cause une relation durée longtemps. Premier côté d'un livre, ça qui est révélé, Jean caractère important sorti de Naomi. Si nous rappelons, Naomi était déplacée avec Marie, petite, et elle est allée dans le pays Moab pour lui joindre secours
pendant une grosse sécheresse qui était gagnée dans le territoire israélien. Quand ils arrivaient dans le pays Moab, deux petits garçons Naomi étaient mariés avec deux femmes Moabites, Ruth et Orpa. Quand deux petits garçons Naomi mourirent, ils ont laissé seul avec deux belles filles. Naomi convainc Orpa pour lui retourner car parani, mais tout ça lui dit Ruth. Décider la vie ou la mort, la prêter bon côté Naomi. Maintenant, question que nous sommes capables de poser, c'est pour quelle raison Ruth décide de quitter le pays, les familles, les amis, pour aller en Israël avec belle-mère? Il y a une grosse réponse que nous sommes capables de porter avec question ça, c'est que Ruth est une femme extraordinaire. Comme une belle-mère, nous croyons que Naomi n'est pas totalement gagné au caractère qui était parfait. Et c'est possible qu'il y ait de certains moments nous croyons qu'il était capable d'offenser Ruth. Et qu'il y ait tant qu'il était capable d'un désaccord qui cause une grosse discussion entre eux. Mais malgré tout, Naomi semble-t-il était possédé une très bonne personnalité qui était vraiment attirée Ruth vers lui. Mais pour quelle raison qui fait moins passer comme ça? Notez, chers auditeurs, gagnez un pile possibilité. Naomi pas du tout content quand deux petits garçons lui ont choisi femme Moabite pour y marier. Naomi était une femme très éduquée et il était connaît très bien le roi pays qui pas permettre aucun Israélite marié à un étranger. Cependant, après mariage, Naomi acceptait jeune femme Sayo, Ruth et Orpa dans la famille. Et pas gagné aucun doute, il était une très bonne belle-mère qui gagnait un bon caractère et qui fait tous deux belles filles au commencement de décider de suivre lui en Israël. Naomi était une femme de caractère exceptionnel. Décision elle prend chaque jour démontrer ce qui type de femme liée, façon les vivre, te porter Ruth et Orpa à reine de l'Empire. Naomi te gagne un cœur pur et action de montrer qu'elle était une femme sincère. Remarquez qu'il y a un pile monde qui fait de bonnes œuvres, cependant, société côté à vivre pas du tout remède. Ce type de monde, ça y est, Jésus dit, même quand ils arrivaient brûler corps pour sauver l'autre, mais malgré tout, ils n'ont pas entré dans le royaume ciel-là. Naomi a un vrai caractère, une personnalité qui t'a porté le fait, non seulement ça qui est bon, mais lui fait ça qui est bon dans une façon qui est correcte. Façon qui est correcte, c'est ça qui fait avec un pile. Amour. Naomi gagne un caractère d'amour qui portait l'agir avec amour. Il te gagne un cœur d'amour qui t'a attiré deux jeunes femmes saillot vers lui. Après caractère Naomi, histoire ça nous joint encore Ruth. Permette-moi de lire Ruth chapitre 1er, versets 16 et 17, qui ont un plus gros verset très important dans l'histoire. Ça. Ruth dit Naomi, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Il y a un pile monde qui définit un bon caractère lorsque vous avez habilité pour quelques promesses. Notez, c'est par une grosse promesse, Ruth répond avec amour Naomi gagne un peu lui. Et promesse Ruth, c'est pour lui pas jamais quitter belle-mère lui. C'est une promesse qui était qu'elle.
Ruth est très concernée de Naomi. Et quand deux femmes saillantes sont retournées en Israël, Ruth volontairement te prend une décision pour lui prendre soin d'Elmerli pour que lui balaye tout ça les besoins. Ruth chapitre 2, versets 2 et 3 dit: Ruth, la Moabite, dit à Naomi: Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit: Va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Dans le commencement de cette représentation, on a dit nous que Israël a un roi pour protéger les pauvres. Il y a un roi qui a demandé quand il y a une récolte qui a fait, mettre Jadin, hein? Pas de ramasser les graines qui tombaient sous la ligne qui séparait Jadin. Les graines, c'est pour les pauvres. C'est eux qui sont capables de ramasser. Yo. Même loi, ça permet tout pour vieux marcher derrière les gens qui ont récolté. Et loi, ça tellement bon, il dit si les gens qui ont récolté ont jeté par accident un paquet de graines à terre, ils défendent de retourner en arrière à la ramasser. Yo. En même temps, pour vieux tout pas loin suivre les gens qui ont récolté trop près pour que yo pas gêné. Yo. Le travail qu'il a fait. Il doit montrer un certain respect. Donc, c'est une loi qui protège les pauvres et les gens qui récoltent à la fois. Quand Naomi expliquait Ruth loi ça, Ruth volontairement décidé d'aller ramasser les graines derrière les gens qui récoltent pour lui prendre soin de belle-mère. Récolte jardin, comme nous connaissons, c'est un travail qui est très dur. Mais jardin, un jour, récolte là, toujours fait gros combite, avec un pile manger, et bon du vin qui fraîche pour travailler. Cependant, pauvre, il doit porter propre nourriture yo, et de l'eau pour boire en mettant un gros soleil qui est chaud. Notez encore, mes amis, oui, non seulement décidé pour lui faire gros travail dur ça, pour lui prendre soin de Naomi et protéger le navire, mais il fait travail ça pour lui protéger dignité Naomi. Rappelez-nous, l'histoire s'est racontée que Naomi, c'était une femme qui était mariée avec un homme d'élite, Abimelech. Un homme de grande famille, un homme qui est riche. Donc, dans le commencement, Naomi, c'était une femme qui était gagnée en pile réputation en Israël. Ramasser graines à terre, même j'ai à toute l'autre peau, pour que Ruth prenne soin belle-mère, bah, Naomi a un peu l'espoir pour lui survivre comme une femme qui est pauvre avec un cœur brisé. Sans être ça, ta portée est très difficile pour que Naomi accepte une vie si bas comme ça dans le peuple d'Israël. Naomi, tu as gagné un peu de connaissances, déjà circonstances de la vie, changé de vie li, après avoir perdu mari et toute petite. Li. Quand il est arrivé à Bethléem, il t'a laissé tout le monde connaître ça. Il laissait voisins, voisines et peuple en connaître, Jean vit les changer. Ruth, chapitre 1er, verset 19 à 22 dit: Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient: Est-ce la Naomi? Elle leur dit: Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite.
Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Naomi signifie agréable. Et Nomara vle dit amère. Naomi, quand il retournait dans le pays, il dit peuple que ville pas qu'on est là agréable, mais plutôt amère. C'est pour ça Ruth essayait de protéger dignité belle-mère quand il prend décision pour les glaner ou ramasser crène pour être capable de vivre et vivre. Capable de dire mes frères et sœurs, un sacrifice pareil côté Ruth placer besoin Naomi au-dessus de besoin Pali, c'est un marque, un sceau de un vrai caractère. Si vous avez aimé une relation durer longtemps, il faut que vous veniez un homme, une femme qui a une véritable personnalité et qui est capable de faire des promesses. Vous devez être prêt pour vraiment aimer prochain et placer besoin au-dessus de besoin par vous. Nous avons une histoire, sa caractère, par habilité pour lui faire une promesse et faire des promesses. Côté c'est la mort seule qui est capable de séparer de Naomi. Bonne volonté lui montrer pour lui récolter graines pour eux tous deux capables de manger et désir pour lui protéger dignité Naomi pour lui pas sembler tant qu'ils sont pauvres, c'est encore preuve de bon caractère où il était possédé. Donc dans le mariage, nous devons engager nous pour prendre soin de besoins conjoints nous. Pour nous aimer l'amour et traiter le même genre, nous traiter automatiquement et nous inviter à la caille. Malheureusement, c'est un bagage qui est très courant. Côté conjoint, nous traiter l'autre dans une manière, nous manquer apprécier le rôle que nous devons jouer dans l'établissement, non seulement une relation heureuse, mais tout de une vie heureuse. Lorsque le conjoint est retraité dans le petit monde de travail, il a payé les billes, il a gagné, il a occupé petit et toute l'autre responsabilité de chaque jour, il est facile pour oublier ça. Il a chaque doit faire l'autre que il n'est pas capable de faire propre tête, tel que compagnie, confort, soutien, affirmation, etc. Ce qui a besoin de vous, c'est un bon caractère et de bonne manière. Un élément essentiel de un bon caractère, c'est éviter blâmer ou accuser et critiquer. Envie pour critiquer un autre monde, en particulier un conjoint, vient souvent de un problème personnel tel que capacité, adaptation, manque de patience, enflé d'orgueil. Il raconte une petite histoire qui est capable d'aider nous à comprendre point ça. Il dit, un monsieur qui tendait gagner un homme qui est sage dans la ville, et puis il décidait d'aller voir. Quand il arrivait, il était très confond. Quand il voit un homme ça, chaque jour, il regardait tout le temps dans une glace. C'est comme ça qu'il dit, comme un homme ça, vraiment un homme qui est sage. Il est tellement concerné sous apparence li que il porte glace ça tout le temps pour le garder gens que lié. Un homme sage pas doit du tout faire ça. Et puis c'est ça qui est dans nous qui compte, pas ça qui dehors. Moins quoi, moins plus sage que lui. C'est comme ça avec audace il décide pour lui demander soi-disant un homme sage là pour qu'il raison tout le temps la garder dans glace. Nom sage là bali réponse ça li dit moi servi avec glace pour moi garder propre tête moi chaque fois moi senti moi besoin blâmer yon l'autre moun pour yon problème moi gagné c'est toujours laisse ça moi retirer glace là quand moi garder la dedans li montrer source problème moi avec source solution garder nos cœur nous pour nous voir faute nous et problème nous pour nous joindre une solution c'est un acte courageux
commencement yon bon compréhension pour assurer yon bon relation. À la fin, pratique ça, c'est source de joie qu'après des foyers nous rete très solide. Et moi dis nous tout ça fait un pile sens quand on dit que relation conjugale accomplit moitié nandine yon moun. C'est possible, moi pas prononcer mot ça correctement. Notez ça yo dit écrit, yo quitté écrit pardon de mot din. Yo dit le célèbre dictionnaire arabe classé Al-Kamus, Al-Mu'id et Lisan al-Arabe indique qu'il existe quatre significations potentielles du terme din, qui dérivait de la racine du mot dana, qui signifie soumettre à. Ces significations incluent l'assujettissement, l'obéissance, la décision et le jugement, c'est-à-dire justice et responsabilité. Donc, modin, c'est un mot qui qui signifie soumission, obéissance, assujettissement, décision, justice et responsabilité. Ça, vous voulez nous comprendre maintenant quand vous dites relation conjugale accomplit moitié d'un digne monde, c'est que relation mariage, après relation nous avec Dieu, c'est relation qui est plus importante. Dans ces relations maritales, nous avons une occasion idéale pour nous mettre sous place. Tout bloc qui bâtit bon moral, tant qu'honnêteté, fiable, gentillesse. Et puis, nous gagnons toute responsabilité pour nous pratiquer, pour nous réfléchir, pour nous garder en dedans nous et évaluer honnêtement faiblesse nous. Et puis, prendre mesure pour nous porter une amélioration. Les nouvelles relations maritales de façon ça, nous réaliser que c'est une générosité sans limite nous qu'à jouir et pour nous investir. Pour terminer partie étude ça, très souvent, moi toujours joindre un jeune qui peut se marier et monde qui est célibataire qui m'a dit qui ça yon doit chercher dans un homme ou une femme pour yon gagner un conjoint potentiel. Vous avez aimé apprendre l'information ça pour vous transmettre vos activités. Parfois, nous gagnons une liste superficielle de bagages. Vous avez aimé, ouais, dans un homme ou femme, nous avons cherché pour nous marier. Dans la liste, ça, vous avez joué apparence physique. Nous avons joué si homme ou femme n'a gagné l'argent pour lui supporter une famille. Ou si vous gagnez elle. Intérêt qui semblait en pile avec propre intérêt. Gain du garçon dans l'issue, il a cherché un petit nurse pour prendre soin de yo. Et femme, gagné dans l'ispayo, ingénieur, docteur, avocat. L'issue n'a pas du tout problème qui sans importance, mais ce n'est pas vraiment question clé pour joindre une bonne femme, un bon mari qui gagne du bon caractère. Ça qui comptait dans la recherche, c'est ça qui est vraiment essentiel. C'est personnalité, moun ou ta reme fait madame ou mari. Pour qui raison caractère ou personnalité doit en tête lisse recherche nous pour joindre un conjoint? Eh bien, c'est parce que vie ça remplit avec choix. Mariage tout chargé avec choix. Choix, ça y est, c'est finalement une réflexion caractère nous, axa nous basé sous la vie nous. Si vie yon monde pas bâti sous fondement parole bon Dieu, et si yon caractère pas du tout bâti sous même fondement ça, ça doit yon signal d'alarme majeur. Ou yon gros drapeau rouge pour connaître si homme ou femme ça c'est yon matériel de mariage ou qu'a choisi pour yon chrétien qui a grandi dans Christ. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7 verset 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met
et il les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Bâtir foyer, nous, sous sable, c'est un acte majeur, nous devons éviter. La perfecté non seulement vit nous, mais tout vit petit nous et même river détruit foyer nous. Mais on recherche, moi, fait, mais on liste, ça m'a trouvé très intéressant, à côté, au bain, jeunes gens, jeunes filles et tout le monde qui a cherché un partenaire pour y'en marier. Il y a 6 caractéristiques femmes qui doivent chercher dans un garçon et 6 caractéristiques garçons qui doivent chercher tout dans une femme. Pour une femme, elle doit chercher premièrement un garçon qui est créatif pour bon Dieu. Certains moyens ou capables de connaître si un jeune homme est créatif pour bon Dieu, c'est dans le langage. Et je lui traite l'autre monde. Est-ce que lui traite avec respect? Si réponse là, c'est non, ou devez poser question ça, pour quelle raison? En tant qu'être humain, nous créons à l'image de Dieu et respecter l'autre monde, montrer un cœur qui révérait Dieu, ça nous refléter image. Deuxièmement, non, n'a pas loué peur pour aimer. Ça ka sonné tan kou yon non brené, li ka sonné tan kou yon déclaration qui pas normal, mais c'est vérité, un pile jeune garçon kou yon la peur engagé tête yo. Et ça porte jeune femme nan a couru après jeune homme nan tout temps. Ça que nous besoin, je dis, hein, c'est un pile jeune garçon qui pas peur pour yon réel, authentique, est prêt pour engager avec une jeune femme dans une relation d'amour. Nous besoin de garçons qui n'ont pas peur d'aimer. Troisièmement, nous besoin d'un homme qui est capable d'admettre faute li, erreur li, les li faire au mal. Ruth Bell Graham déclarait: un bon mariage est l'union de deux qui pardonne. Raison qui porte le dessin, c'est que Coupio, pendant nombre de temps, ils ont pu vivre ensemble, a fait un lot d'agas qui mal. Si vous ne pas connaissez comment pour demander et offrir pardon, ou pas jamais arriver à gagner un bon mariage. Croissance dans la relation rachitique, la très faible depuis le commencement. Quatrièmement, jeune homme n'a doit être capable contrôler passion. Na vive dans une époque qui envahit avec sexe. Mon l'envoyer message que vous avez droit pour posséder tout ça vous voulez pour satisfaire tout. Un jeune homme doit être complètement responsable de passion et il doit être capable de contrôler les désirs pour sexe qui opposé à la vie mentale, vie privée. C'est-à-dire, il n'est pas doué à garder pornographie dans une réelle relation. Cinquièmement, il doit honorer parents. Dans le 10 commandements, Dieu dit pour nous honorer parents, pour que nous vivions longtemps et toute bagaille a passé bien pour nous. Est-ce que vous pouvez choisir un monde côté ville, porter un sentiment de bien-être en faveur, bon Dieu? Vous connaissez, on dit souvent, si vous voulez voir comment un jeune homme va le traiter, gardez Jean lui traiter maman. Pour que m'aller plus loin, témoin dit, gardez Jean lui honorer maman avec papa. Est-ce que lui parler de bien de yo, ou bien lui fâcher avec yo? Est-ce que lui refuser parler avec ou du tout de parents?
Ce qui passait entre un jeune homme et maman avec papa est très important pour une jeune fille connaît. Sixièmement, est-ce que l'on a un processus pour les venir et l'idée qui connaît les gens pour les servir? Les au chef et au foyer, et puis au gain en pile autorité et responsabilité, mandé pour dénier tête ou et pour gagner un esprit de serviteur. Si un jeune garçon ne connaît pas comment pour lui refuser propre besoin de tête, li, nan non yon l'autre monde, abandonner droit, li, objectif, li, ak rêve, li, ou tap questionné, s'il est capable de diriger très bien yon famille pendant toute vie. Mais yon petit conseil, parole bon Dieu, laissé pour nous sous point ça. Pour l'écrit dans Philippiens 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Voilà au moins une ligne spirituelle qu'un jeune homme doit suivre pour qu'il soit capable d'arriver à un bon mari. Maintenant, pour un jeune homme qui a cherché une jeune femme pour le marier, il doit chercher une femme qui, premièrement, est craintive pour bon Dieu et qui mettait tout espoir dans Dieu. Vili doit refléter espérance à tout. Si espoir une jeune femme pas du tout dans bon Dieu, jeune homme qui prend le mariage avec lui a passé toute reste vili essayer aider pour lui jouer le pot d'or au bout de l'arc-en-ciel. Et ça pas jamais rivé vraiment. Deuxièmement, jeune femme n'a doit gagner respect pour parents. Si il y a un problème pour les respecter maman et papa, il y a tout problème pour gagner respect pour vous. Donc, cherchez une femme qui a ou qui a fait effort pour gagner une relation en bonne santé avec les parents. Troisièmement, il doit connaître faute li, tort li, pour demander pardon et pour tout posséder un cœur qui est prêt pour pardonner. Lorsque vous faites un bagage qui mal, il n'y a pas de du tout un cœur dur, mais un cœur miséricordieux pour lui faire grâce. Donc nous comprenons ici, pardonner un autre, ce n'est pas du tout une route qui sens unique. C'est nous tous les deux qui devons posséder très caractère ça. Quatrièmement, il doit une femme qui veut marier avec vous et qui t'a aimé venir une mère de famille. Il y a pile jeune fille qui voulait marier, mais qui pas voulait vraiment venir une épouse et une mère de famille à la fois. On a parlé ici de femmes qui pas voulait faire petite. Ça, la chercher peut-être, c'est sécurité. Ou yon compagne mariage à Bali. Il voulait que carrière, même Jean avec Marie, li, c'est objectif numéro un dans le mariage. Moi, quoi, d'après sa Bible enseignée, priorité numéro 1 de une femme doit pour lui prendre soin du mari et famille. Ça signifie que si ou choisi pour gagner petit, priorité ou et valeur ou déjà déterminée. Cinquièmement, il doit montrer un caractère modeste, une femme vertueuse. Il y a une façon de caractère une femme révélée, c'est gens les gérer pouvoir féministe et sexualité. En d'autres mots, dans qui point où elle est modeste.
modesti, se yon mot ki etranj konye la nan kultur nou. Mette mwen bay, tout jen om, defi sa, pou ke lèv chèrche yon fam pou yon marye, yon dwe chèrche karakter yon fam ki manifeste non seulement a l'intérieur, men tou a l'extérieur. De yon fam vertueuse, note sa Bibla di sou point sa. Nan Proverbe chapitre 31, verset 5 à 11, roi Salomon écrit: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Sixièmement, li dwe tou yon fam ki konen koman pou li suiv mare li. Sa pa vle di li dwe aksepte san rezerv tout sa mare li dil pou li fe. Fam se ko eritye de grase bon Dieu. Sepenan, yon nan partener yo dwe pren yon desisyon final kan genye dezakor. Lorske yon vote nan yon sens e lot lan yon lot sens, mwen kwe se responsabilite yon mari pou li tende attentiveman e konsidere judisyezman konsey madame Nibali. Men le sa, se pou li soumet li devan Kris e li pou ki e pou li kite dirije par puissance set espri pou li pren desisyon sa. Kan li deside par la sagesse de Dieu, se responsabilite yon fam pou li suiv mari li. Pou konklu, kembe li sa wap chershe li yon om ou yon fam pou epouze tre san. Pou an pil selibater, a mezu ou yap antre nan laj, se konsa lisyo ap vini pi long. Gen de jans wap jwen lisyo tout kote nan kayo. Se yon tre bon ide pou panse de sa ki pi important pou ou de personalite yon seks opose. Men ou pa dwe develope yon lis verifikasyon ki gen mil bagay person nan moun sa kapab rempli. Li dwe reyelman pi simple ke sa. E pa bliye cherche konsey bon Diyo. Li gen pwisans pou li ba ou yon bon fam yon bon mari. E sa mande la fwa, menm jan, le Abraham te voye yon serviteur al cherche yon fam ideal pou petit li Isaac. Dieu te repon ak priye Abraham, e Isaac te tre satisfè de madame ni, au point que li pa bezwen lòt fam nan vi li pou komble dezir li. Isaac, se yon nan pionye nan Ansyen Testaman ki te mene yon vi monogami. E mwen kwe ki te tou fè bon Dieu plezir. Dieu genye pwisans pou li repon ak priye otou. La paix mon Dieu avec nous.